un tout nouveau vlog. Alors, je commence à filmer quelques morceaux par-ci par-là. Alors, je pense pas que ce vlog il sera publié vite parce que là, j'ai repris le travail. Donc, en fait, c'est la catastrophe. Le timing, ça va plus du tout. Donc, j'ai plus le temps. Mais comme là, demain, donc là, aujourd'hui, on est le 30 avril. Donc, demain, c'est le 1er mai, je travaille pas. Donc là, ce soir, c'est un peu plus détente. Voilà, donc je vous amène avec moi là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, maintenant là. Pour un petit, petit moment créatif, je voulais vous montrer mon dernier achat. Donc j'ai acheté un carnet d'aquarelle, parce que j'en ai déjà, que je n'utilise pas parce que je ne l'aime pas. C'est un carnet qui est en format paysage et j'arrive pas en fait, ça me perturbe. Donc là, je suis allée au magasin d'art et je suis tombée donc, sur ce carnet. Donc, c'est Canson Mix Media. Donc, les pages, elles font 300 grammes. Donc, c'est parfait pour l'aquarelle. Donc, là, je me suis dit que j'allais le commencer avec vous. Je n'ai rien préparé. Il faut que j'aille changer mon eau, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Bon, sinon, j'espère que vous, ça va. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas répondu à tous les commentaires sur ma dernière vidéo, mais merci à celles qui ont pris le temps de laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine au niveau créatif? Demain, il faut que je prenne un petit moment pour trier mes embellissements de scrap et mes cartes de projet grève. Donc, je vais les mettre sur Vinted. Je pense que je vais le mettre sur Insta. Vous me préviendrez juste quand ça sera à jour sur Vinted. Et voilà, celles qui sont intéressées, ben, vous viendrez voir. Je vais faire des lots pas très très chers. Voilà, mais il faut que je fasse de la place parce que j'aime pas le matériel qui dort, qui stagne dans mes tiroirs. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tri par le vide. Demain aussi, enfin demain j'ai plein de trucs à faire, mais je sais pas si je vais y arriver. Demain, il faut que je lance la commande pour des stickers pour la boutique et si je peux de bloc-notes. Donc là, c'est un peu le stress. C'est un peu le stress de déjà savoir si tout va être bien imprimé, etc. et de savoir aussi combien ça va me coûter. Voilà, bon, sachant que. Comment dire, le budget est prévu, mais toujours quand on fait un gros achat comme ça, c'est un peu stressant, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà. Donc j'ai trop hâte de le faire et puis de vous montrer voilà, quand j'aurai reçu. Parce que là du coup de faire ça, ça permet au projet d'être plus concret. Donc voilà. Et déjà ça sera pas mal si j'arrive à faire ces deux choses. Et prendre un peu du temps pour créer ou pour les balader, je vais voir parce qu'on n'a pas eu un super temps jusque là, donc je pense que chez vous bah, c'est pareil. Donc là je compte bien en profiter, mais je crois que demain il pleut, donc qui dit pluie dit tranquille à la maison. Donc voilà, allez, j'arrête de parler parce que je remarque que je fais que parler dans ces vlogs, alors j'espère que je vous saoule pas. Et du coup bah, on passe au petit processus créatif. Thank you.
je vous retrouve aujourd'hui dans un petit clip rapide. Je vous montre pas ma tête aujourd'hui parce que je suis pas très en forme, mais j'ai pris quand même le temps de faire quelques tests parce que j'ai reçu un nouveau papier. Je suis trop contente. Bon, alors là ça rend pas justice parce que j'ai pas allumé, puis bon, il est 19h, mais voilà, ça rend comme à l'écran, c'est super cool. Voilà, donc bon, je vous montre un peu en avant-première. Ça sera les illustrations donc qui seront sur la boutique. Voilà. Il y en a une autre, mais je vous la montre pas parce que je crois qu'en plus vous l'avez déjà vue. Mais voilà, donc du coup, maintenant, il faut que je me trouve un massicot pour les couper parce que ceux que j'ai sont bien usés et j'ai pas envie d'abîmer le papier. Donc voilà, je vous retrouve, je pense, demain pour un petit clip face cam. Et voilà, j'ai plein de trucs à vous montrer encore. Donc voilà, à demain. Hello, donc je vous retrouve, je pense, pour la dernière partie de ce vlog. Nous sommes le 8 mai. Je vais réfléchir à quel jour on est. Ça fait 2 jours qu'on ne travaille plus. On est complètement déphasé. Donc, comme me l'a fait très gentiment remarquer une personne en commentaire sous ma dernière vidéo, le clip où j'ai filmé mon album de Project Life a été supprimé au montage par inadvertance. Voilà, donc je vais vous le faire là juste après, vous montrer un petit peu l'avancée de mon album. J'ai pas mieux continué depuis la dernière fois où j'ai fait du scrap, c'était il y a au moins 3 semaines je pense. Voilà, petit point avancement du projet boutique. Alors là, j'ai passé plusieurs commandes. Donc j'ai commandé mes emballages, j'ai fait une commande de stickers, donc j'espère, je croise les doigts pour que ça arrive comme je le pense, hein, que ça arrive comme il faut. Et j'ai enfin reçu mon papier, voilà. Donc comme je vous le disais hier, donc c'est cool, je vais pouvoir faire des prints. Sachant que je pense, très honnêtement, et d'ailleurs j'aimerais avoir votre avis s'il vous plaît en commentaire, que je vais sûrement faire pour le moment, pour commencer, que des formats cartes postales, donc A6 et A5. Je verrai pour le format A4 parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui achète du format A4 parce que bah, c'est plus cher. Et moi la première, je n'achète pas du format A4, j'achète plutôt des cartes pour décorer un petit peu en fait mon bureau, c'est tout. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous achetez le plus comme format? C'est vrai que j'ai du mal un petit peu à dire, moi j'aurais dit plus, voilà, des cartes A6 et A5, voilà. Mais ouais, A4 ça me paraît quand même rare, enfin voilà. Je pense qu'il y a des gens qui en achètent mais que c'est pas le premier article qu'on achète sur une boutique. Donc voilà, je propose pas aussi en premier temps parce que du coup ça me fait... acheter d'autres genres d'enveloppes ou de boîtes en fait pour l'envoi, parce que ben, A4 ça se plie plus facilement puisque c'est très grand et il faudrait pas que, voilà, que ça s'abîme. Donc pour l'instant je mets de côté le A4, mais voilà, ça avance. J'attends aussi une petite commande de matériel pour organiser mon étagère, tout ça derrière. Donc déjà, je sais pas si là on verra juste un bout, mais je vous montrerai une fois que j'aurai tout reçu. J'allais à Action acheter des corbeilles à papier en fait, donc pour mettre mes prints, voilà, pour qu'ils soient bien à plat et qu'ils ne soient pas abîmés. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer. Donc ça avance, il me reste encore plein de petits détails à régler, donc voilà, pour l'instant c'est pas fait. Et aussi, ce que je voulais vous dire, donc j'ai mis le lien en barre d'infos, c'est que je vais faire donc une newsletter, donc je pense une fois par mois, voire deux, pas plus. Pour vous raconter un petit peu ce qui se passe, les coulisses, les projets, etc. Donc si vous voulez vous inscrire pour suivre un petit peu tout ça, vous pouvez suivre le lien en barre d'infos, vous inscrire. Voilà. Donc je pense que très prochainement, je vais pouvoir lancer la première. Donc voilà, c'est trop excitant, c'est trop cool, mais en même temps, c'est un peu stressant et je sens que je suis un peu fatiguée en fait. J'ai l'impression d'avoir une espèce de... J'aime pas ce mot parce qu'en fait on le sort à toutes les sauces, mais c'est vrai, une espèce de charge mentale par rapport à tout ça, plus tout le reste. Et en fait là j'ai juste, en ce moment je pense que j'ai juste besoin de me reposer, donc voilà. Après ça je pense que je vais faire un petit break, et je vais surtout me faire un break pour créer uniquement, ou juste pour moi, pour peindre, voilà. Parce que là j'ai laissé ça un peu de côté et ça me manque. D'ailleurs, donc pour revenir aux créations, je vous ai pas montré, je me rappelle pas, je crois que j'ai pas filmé, j'ai terminé la lune... dans mon carnet, donc je vous la montre. Bon là les couleurs n'ont pas justice, hein, mais j'ai rajouté des petits détails. Voilà. Donc j'ai essayé de la... Bon ça rend vraiment moche en...
en vidéo avec ce téléphone. J'ai changé de téléphone et en fait, il est un peu moins bien que celui d'avant, donc je suis ravie. Voilà, j'ai inauguré mon carnet, donc maintenant je vais pouvoir continuer, sachant que moi j'ai un top, je sais pas vous. Et genre, derrière, c'est pas la même texture, c'est lisse, alors que dedans, c'est texturé et j'aime pas dessiner derrière. Ouais. J'avais envie de dire ça, c'est tout. Donc voilà, je sais pas, j'ai plein d'autres idées pour la suite après de la boutique pour les autres collections que je vais sortir, mais faut que je me calme. Je suis un peu trop excitée du coup, voilà. Bref, ça c'était la petite parenthèse projet boutique. Maintenant on va revenir au scrap, donc je vais vous montrer juste mes pages et je voulais vous dire aussi que je vais mettre sur Vinted ça. Tout ça avant, donc il y a énormément de choses pour le scrap en fait, ce sont des articles Annie Edwards, voilà, donc j'ai fait le tri, vous voyez dans ma petite desserte là, j'ai mis que mes trucs de création et mon scrap, j'ai tout remis dans mon meuble derrière, j'ai trié en fait tout ce que je n'utilisais pas, donc voilà, c'est pour celles qui souhaitent tester un petit peu les articles Allie Edwards, c'est voilà, l'occasion, si vous voulez, de donner une seconde vie à mes produits. Donc je pense que je les mettrai sur Vinted, je sais pas quand, il faut que je prenne le temps. Mais voilà, je ferai deux. Je sais pas si je fais un gros lot ou si je fais des petits lots, j'en sais rien. Je vais voir, mais c'est vrai que ça prend de la place. Et comme je l'utilise pas, je préfère ben, voilà, que ça ait une deuxième vie chez quelqu'un et voilà. Bon, sur ce, on va passer en vue dessus et je vais vous montrer l'album. Bon, alors je vais commencer avec les pages qui sont abouties parce qu'au début il y a des pages qui sont pas. Bon, je vais peut-être pas vous faire le commentaire, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc voilà, là j'ai voulu faire une page qu'avec des photos et une case, une carte en fait. Et ce que je fais, c'est que je répète souvent les mêmes embellissements parce que je trouve que déjà c'est plus facile pour moi, ça fait une cohérence et puis en fait j'utilise toujours les mêmes embellissements, donc au final voilà, je me dis allez, autant les utiliser à fond. Donc là, petit insert avec des photos Instax. Alors là c'est le mois de février, donc voilà, j'utilise uniquement les kits d'Annie Edwards sans journaling, voilà, parce que il y avait rien à raconter en fait. Voilà, donc là toujours février. Là, j'ai fait une pochette avec un petit week-end qu'on a fait pendant les vacances. Mais en fait, il faut que je la fuse plutôt de ce côté parce qu'elle est un peu grande. Hein, voilà, donc hop. Donc là, je n'ai pas fini. Là, une petite. Là, je pense qu'il manque un petit peu des décos, mais je sais pas quoi. En fait, des fois, on ne sait pas ce qui manque et il vaut mieux rien mettre, je trouve. Là, il me manque une photo que je n'ai pas imprimée. Alors oui, mon album, il a souvent des trous. Mais comme j'y reviens tout le temps, en fait, j'arrive à les combler comme ça. Pour moi, c'est organisé, vous inquiétez pas. Ensuite, donc là, pareil. Donc là, c'est bon, il y a tout. Donc là, j'ai mis en fait, des numéros sur mes photos. Et après, ça se retrouve ici. Donc c'était parfait, il y avait 5. Et 5 photos. Là, j'ai fait un petit insert avec que j'ai récupéré des vacances, donc des tickets, les entrées au musée, des sacs, des petits sachets, des plans, tout ça. Voilà. Moi, je trouve ça cool. Hop. Une petite page simple. Et là, en fait, j'en suis là. Donc là, j'en suis à mars. Voilà. Avril, j'ai pas fait encore. Ça avance pas très très vite, mais bon, ça avance quand même un peu. Donc, comme je vous ai dit, j'essaye d'être consistante et il faut que j'arrive à finir cet album. Et j'espère que je vais y arriver. Donc voilà pour mes quelques pages. Vous voyez, j'ai pas énormément avancé non plus. Hein. J'en suis à un quart de l'année. Donc voilà, mon challenge, ça va être vraiment cette année de finir cet album. Alors peut-être pas cette année, mais si je le dépense l'année prochaine, c'est pas grave. Mais voilà, essayer de le finir. Je veux pas laisser un album en plan. Je pense pas que je vais faire non plus d'album de vacances. Je mettrai tout dedans. Voilà, j'ai pas le temps avec tout ce que j'ai à faire à côté, ni l'envie en fait de faire ça et le DD non plus. Donc cette année, voilà, ça va être l'edge niveau scrap et voilà. Donc je pense pas que l'année prochaine je vais me relancer dans un PL. Je dis ça tout le temps et après en janvier je m'y relance, mais en vrai ça me demande beaucoup de temps et le temps que je n'ai pas quoi, ni d'énergie. Donc voilà. Je pense que des fois en fait il faut savoir peut-être dire stop. Se dire, ben voilà, ça fait tant d'années que je fais ça, alors oui, peut-être que ça va manquer,
mais ça me procure peut-être plus forcément du plaisir, donc en fait, on va arrêter. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, hein, dites-moi votre avis en commentaire, mais voilà, moi, c'est un peu ma philosophie. Donc écoutez, je vous laisse avec ce vlog, donc j'ai essayé de faire le montage assez rapidement, hein. Enfin, attendre 15 jours pour le faire, et puis bah, écoutez, je vais essayer de faire des vlogs un petit peu moins longs, mais plus souvent, et puis voilà, je vais faire mon max, j'ai envie de faire des vlogs un petit peu plus courts que j'arrive à poster un peu plus régulièrement, et voilà, bah, écoutez, je vous dis à très très vite pour la suite de mes aventures créatives, et bah, à très bientôt.